Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est le taux moyen d'évolution. Alors nous allons commencer par une définition en français. Cette définition explique un peu l'idée qu'il y a derrière ce calcul. Il dit que quand une grandeur évolue sur plusieurs années, en fait ce sera souvent sur plusieurs années, mais on pourrait, sur plusieurs mois, ou sur, en tout cas sur une période, on appelle taux moyen d'évolution le taux annuel qu'il faudrait lui appliquer pour obtenir la même évolution globale. Prenons donc une valeur, imaginons qu'elle évolue d'année en année, en augmentation ou en baisse, peu importe, donc sur une année ici, une deuxième année, une troisième année, et admettons une quatrième année. On ne connaît pas les évolutions d'année en année, ça peut monter, ça peut descendre, peu importe. Ce qu'on va me donner comme information, c'est l'évolution globale, et on me dira de mon année de départ à ma dernière année, ou de ma première période à ma dernière période, on pourrait parler de mois en mois aussi, on me donnera ici une évolution en bleu. On pourrait dire, par exemple, un prix, un chiffre d'affaires a augmenté sur 4 années de 25%. Autour des 4 derniers mois, le nombre d'adhérents d'une association, le nombre de chômeurs a baissé de 14%, de 8%, peu importe. La question, pour déterminer le taux moyen d'évolution, va être de dire quel taux on pourrait avoir ici. Si l'évolution ou la baisse avait été régulière, quel taux, alors on pourrait lui mettre un petit m pour l'appeler moyen, quel taux moyen aurions-nous? Constant, toujours le même, 4 fois de suite, qui correspondrait à mon évolution globale de 4 années. Donc en fait, pour pouvoir faire le calcul, il va me falloir 3 paramètres. Le nombre de périodes qu'on va avoir ici, on va l'appeler grand N. Et ici, dans mon exemple, N il était égal à 4. On aurait un taux global d'évolution sur toute la période, on l'appellera souvent petit t. Et puis, ce qu'on va chercher, c'est le taux moyen, T indice M, c'est le taux qu'il aurait fallu appliquer sur chacune des périodes, pour avoir le taux global. Ça nous amène à la définition mathématique et donc la façon qu'on va utiliser pour calculer ce taux moyen qui nous dit que ce taux moyen, donc en pourcentage, on retrouve les formules de coefficient multiplicateur 1 plus le taux. Donc 1 plus le taux moyen est égal à 1 plus le taux global t à la puissance 1 sur n. C'est évidemment embêtant à calculer, c'est la calculatrice qui nous fera le calcul. On va faire un exemple tout de suite pour voir comment est-ce qu'on doit procéder. Imaginons que le chiffre d'affaires d'une start-up a progressé de 55% en 3 ans et on me demande de calculer son taux d'évolution moyen. Donc on pourrait schématiser cette situation de la sorte. On a donc un chiffre d'affaires, on ignore combien il était, et en 1, 2, 3 ans, il a augmenté de 55%. La question qui se pose à nous maintenant, c'est de déterminer, en admettant que la hausse soit régulière, d'année en année, on n'en sait rien mais c'est ce qu'on me demande de calculer, eh bien, quel devrait être ce taux, qu'on va donc appeler TM, qui répété 3 fois de suite, puisque la période est de 3 ans, m'amènerait à une augmentation de 55%. Donc là, on ne va pas s'embêter très longtemps, on va appliquer directement la formule de cours qu'on nous demande de connaître. La formule de cours était celle-ci, elle va être à connaître, et dans cette formule, on va isoler T, qui est le taux d'évolution globale sur la période donc, de 55 centièmes, et la période n, ici, qui est égale à 3, puisque la durée est de 3 ans. Et donc, si on fait le calcul, 1 plus t indice m est égal, on applique la formule en remplaçant t par 55 centièmes et n par 1 tiers, et à la calculatrice, on obtient 1,16. Un tutoriel explique parallèlement comment calculer cette expression-ci à la calculatrice. On a presque terminé, mais on ne cherche pas 1 plus t indice m, on cherche t indice m tout simplement. Donc on va résoudre une petite équation, on va enlever 1 de chaque côté. On a donc trouvé que 1 plus t indice m était égal à 1,16, et donc en enlevant 1 de chaque côté, on prouve que tm vaut environ 0,16, c'est-à-dire que le taux d'évolution moyen est environ de 16%. C'est-à-dire en fait que si on avait eu 3 années à 16% en augmentation, consécutivement, eh bien cela aurait correspondu à une augmentation de 55%.